Est-ce que c'est mieux? Test 1, 2. Nickel. Ah. Bon, j'avais juste oublié d'allumer le micro ce coup-ci. Il était bien branché, mais j'avais oublié de l'allumer. Ça sature pas. Hein. C'est bon. On est en train de. On passe. Là, c'est ici que mon grand il s'entraîne à l'aviron. Non, le son est très propre. Bon, allez, ok, super. Donc, normalement, ça veut dire que c'est validé. C'est-à-dire que ma petite pince, elle a qui tient mon micro en même temps que qu'on a le stabilisateur. C'est plutôt bon, ça perturbe pas la vision stabilisée. Du coup, coucou le petit caribou, trop cool. Bon, on va jusqu'où alors? On va jusqu'à. Le problème, c'est que ça fait super mal au bras. C'est hyper lourd. Faudrait un truc pour le porter, c'est un truc de fou. Nickel, on t'entend bien. Oui, on a réussi. Bon, allez, ok. Allez, vous m'avez motivé, on va jusqu'à Montauban. On va tout droit, on suit le canal, on va jusqu'à Montauban. Je m'arrête un petit peu, j'essaie de vous montrer vite fait quand même. Ah, les commandes inversées, je suis pas pilote d'avion, hein. En courant, ouais, en courant. Non, déjà, on va marcher, ça fait du bien. Ça me fait du bien, je commence à m'ennuyer chez moi. Est-ce que vous arrivez à suivre les JO? J'y arrive pas comme il faut. C'est trop chiant, sur France TV, il n'y a que de la pub. Moi, je veux voir que le judo. Ils m'ont mis trois combats et après, j'étais obligé de regarder le cheval et la natation. C'était pas cool. C'était pas cool. Allez, on arrive à Londres, bon, ça fait plaisir. Hein, si je vous le dis. En vrai, il va falloir que je change de main toutes les 3 secondes. Tracteur à mon avis pour l'entretien. Trop beau le canal, patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, t'en sais plus que moi. En tout cas, c'est vrai que c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est très très cool. Et là, à l'ombre des arbres, il fait très bon, alors qu'en fait, il fait bien 30 dehors, mais là, à l'ombre des arbres, pas de problème. Comment ça va, le petit caribou? Est-ce que tu as passé une bonne matinée? Et merci à vous d'être venu subir ce test. Même si pour le coup ça a l'air de marcher pour une fois. Je crois que mon fils il m'a dit qu'il allait jusqu'au deuxième pont qu'on voit là-bas en bateau. Donc s'il y va en bateau, on peut déjà au moins y aller à pied, je pense quand même. Et revenir. Salut Isa. Comment ça va? Toudou. J'aurais peut-être dû me prendre quelques écouteurs, mettre un petit fond musical. Bon, j'ai les bruits de la nature, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je sais pas où je vais, hein. Moi, en général, je sors pas de chez moi. L'ermite asocial, tu sais. On va y aller tant qu'on a de la batterie. Que ce soit sur le stabilisateur ou sur le téléphone. C'est ouf la profondeur. Pas encore regardé les JO par contre, j'ai quelques extraits de la cérémonie, ça avait l'air cool. Tu m'étonnes en même temps, dehors il n'y a pas un PC, c'est pénible pour installer les gros JDS. Ouais, j'avoue. Vous avez quoi comme qualité en visio? J'ai essayé de régler en 1080, mais je suis pas sûr que vous l'ayez. Si vous pouvez me confirmer si c'est du 720 ou de la 1080. Après, ça me fait du bien, ça me fait sortir là. Je crois que les entraînements de judo ils s'arrêtent là pendant 2 semaines, ça m'embête un peu. Il me reste que le sabre. Hein. J'ai quand même besoin de bouger, en vrai. C'est un joli coin, ouais, et puis là tu peux marcher pendant un petit moment, hein, clairement. Vraiment, l'aviron, ça doit être chouette comme sport là sur le canal, ça doit être sympa. On verra si on a la chance de voir une péniche ou pas. Là, on est encore dans le village à peu près. De l'autre côté, là, c'est encore des bâtisses qui sont dans le village là ici. On est à vol d'oiseau, on n'est pas très très loin de chez nous, hein, 800 mètres, 1 km grand max. On est encore dans le village.
1080, mais trop bien. Donc là, on a la 1080, c'est stabilisé, on a un micro et vous m'entendez. C'est ça que vous êtes en train de me dire là. Genre, c'est la folie de la folie quoi. Je suis que avec mon téléphone, en bord du canal, pas spécialement de réseau, tout va bien quoi. C'est le canal, c'est pas la Garonne, c'est le canal des deux mers, je crois qu'ils appellent ça. Mais Dams te renseignera mieux que moi. Eh, c'est beau quand même, je vais regarder, vous avez vu. L'espèce, c'est pas de la lavande, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli en couleur là, en violet. Petite touche de couleur comme ça. C'est hachement beau. Jusqu'à Bordeaux, il dit, Dams. Bon, moi j'ai visé Montauban, Bordeaux ça va me faire loin, je crois. Non, c'est un canal parallèle à la Garonne. Ça a été fait à la main. Voilà. Bon, c'est quoi votre programme de la journée à vous? En regardant un pimpin marcher au bord du canal. Pas comment ils font les gens qui font de l'IRL tout le temps. En vrai, c'est fatigant quand t'as un setup comme ça, pas du tout micro. Gaming de mon côté. Ouais, j'ai joué à FF, hein. Je suis monté niveau 34. J'ai fait la suite de quête chez les Sylphes avec le donjon des mille gueules, je crois. Ça devrait parler à Isa. Peut-être pas aux autres, mais. Petit retour au soleil. On arrive aux abords du village. Je pense qu'à partir du pont, on quitte le village. On va passer dessous. Ah oui, ça me parle. Je voulais monter niveau 35 pour faire la quête du paladin, mais ça se fera plus tard. C'était cool. Ah, j'ai fait un peu mon ours. Je suis parti avec des des renforts là pour voir ce que ça donnait et ça a tenu, sans trop de problème. Ça marche, intéressant tout ça, nous dit le petit caribou. Qu'est-ce que t'as prévu toi, le petit caribou? Est-ce qu'il y en a qui vont jouer au jeu de société? J'ai hésité à aller, franchement, à Toulouse, il y a la Toulouse Plage, mais c'est pas un super gros événement jeu de société. Et je me suis dit prendre la voiture, aller jusqu'à Toulouse pour faire aller 20 minutes de live IRL. Ça m'embêtait un peu alors que voilà, 5-10 minutes de la maison, j'ai le canal. C'est plus facile quoi. De mon côté, rangement de garage cet après-midi, puis jeu de société en famille. Ok. Plutôt intéressant. Est-ce qu'on va y arriver jusqu'à ce deuxième pont aussi, quand même? Je regarde le temps parce que le temps de l'aller, c'est aussi le temps de retour. Donc, admettons, là on est déjà à 10 minutes. Ça veut dire que le temps de revenir, ça fait déjà 20 minutes de live. Les petites notifs. WhatsApp sur le groupe judo, forcément tout le club est derrière les Français. Bon, on a un Français qui est passé ce matin à moins de 60. Je vous fais le petit récap, mais que pour le judo. Il part en demi-finale là tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il faut que je rentre avant 16h quand même. Et après, la française. Il y a un truc qui tapote, c'est peut-être le câble qui tapote sur le micro. Ouais, le câble, je pense. Je l'ai décollé là, vous me direz si c'est mieux. Je l'ai décollé du micro. C'est mieux, ouais. Je vais surveiller qu'il tapote pas trop tout le temps. Sinon, vous me le dites. Vous marquez tapote dans le chat. Je comprendrai. Du coup, en plus, là j'ai changé. Alors, j'ai changé le micro, mais j'ai aussi repris l'interface de l'application. Je passe pas par Twitch, je passe par Twitch, par Audio Prism Live Studio. Ça a l'air pas mal. Ouais. Déjà, ça permet de gérer la 1080. Et là, j'ai à peu près toutes les infos que je veux. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'on a un logo qui apparaît de temps en temps. Ouais, voilà, c'est là. Comme l'application est gratuite, forcément il y a un peu de pub derrière pour compenser.
sais pas s'il y a une version payante de ce soft. Ouais, ça va me faire ma marche. En vrai. Allez, on arrive au premier pont. J'ai aucune idée de la distance par rapport à la base de l'aviron. Eux, ils le savent. C'est des repères. Ils savent qu'au premier pont, ils ont fait genre 1 km, machin. Moi, je vous montre pas trop de l'autre côté. C'est une ancienne boîte de nuit un peu désaffectée. Enfin, je peux vous montrer, mais c'est pas hyper joli. Là, c'est une vieille boîte de nuit qui s'appelait le Big Ben, je crois. Et bah, c'est devenu désaffecté, donc c'est un peu dommage. On a ce bâtiment sorti de village qui sert plus à rien. Alors qu'on pourrait faire une méga ludothèque, un nouveau super dojo. Voilà, on pourrait faire plein de choses là. Ça, c'est un peu gâché. Moi, ça me. Pas ça m'embête, mais je trouve ça dommage dans les villages comme ça d'avoir des bâtiments qui servent à rien, te dire on s'en sert pas quoi. Merci pour le follow, Mowgli d'Amour. Ah, j'ai même les alertes Stream Elements, mais c'est incroyable. Salut Erwan, salut Arcon. Je viens de passer une faille 90 dans D4, bien joué. Je vais aller me promener en presqu'île de Crozon avant d'aller à un gros fest-noz. Alors, attendez, j'essaye de gérer ce câble là. Là. On passe sous le pont. Sous le pont. Le son est parfait là. Ouais, mais là, là, il y a un vrai gros micro branché avec l'adaptateur qui va bien. Et le problème que j'avais avec le stabilisateur, c'est que j'avais pas la possibilité de brancher le micro en même temps. Donc j'ai acheté une pince qui vient se fixer sur l'adaptateur, sur le stabilisateur, et qui permet d'avoir les deux maintenant. Et oui, alors c'est le canal du Midi, je crois que c'est ça, hein, le canal des deux mers ou canal du Midi. C'est juste à côté de chez nous, donc je me suis dit que c'était pas plus mal. J'avais juste un peu peur que genre il y ait blindé de vélos, d'enfants et tout ça, mais en fait il y a personne. Les gens ils ont eu trop la flemme. Donc ça va. Pour l'instant le canal est à moi là. Et j'ai vraiment croisé personne, tant mieux. Parce que bon, pas forcément envie d'avoir 10 personnes qui viennent, qui passent, qui s'arrêtent. Les aléas du direct, tout ça. Petits poissons qui viennent de moucher hors de l'eau. Si vous voyez les ronds là dans l'eau, mais... c'est calme, ouais. Après, il y a un peu de circulation, pas loin. Les gens digèrent, ils font la sieste. Personne sur le canal, c'est un canal plus. Et lol. Après, moi, je vous avoue hein, que je suis tout seul, je mange pas beaucoup, donc j'ai pas spécialement besoin de digérer ou faire la sieste. Et en plus, j'ai bien dormi cette nuit. Alors, je sais pas si c'est l'effet Ibris. Mais je dois avouer que j'ai fait une nuit complète. Je fais minuit, 8h du matin, non-stop quoi. Eh ben ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous entendez la circulation ou pas? Voilà, il y a une moto, ça roule fort, hein. Même plusieurs, je pense. Ouais, on entend, ouais. Alors je peux mettre un filtre vraiment pour couper les bruits si c'est très très fort, mais normalement après on devrait s'écarter de la voie. Elle est là-bas là, hein, la route. Hop, essayer de vous montrer. Hop, vers là-bas là, on est au bord d'une nationale. Ibris, le jeu que tu as perdu. Oui. Après j'ai perdu, mais on n'était pas loin les uns des autres. Et on a quand même fait un impair de règles assez balèze. Puisqu'on a mal géré le déplacement de l'Olympienne, donc c'est un peu dommage. Car telle est la voie. This is the way. Mais c'est léger, ouais. Après, j'ai quand même encore un filtre sur le micro là. Je peux encore atténuer des hautes fréquences comme ça qui viendraient parasiter le truc. On arrive au deuxième pont. Et donc, on va s'approcher de la prochaine, du prochain petit village. Je pense pas aller jusqu'au prochain petit village quand même à mon avis, sinon il faudrait quand même que je surveille la batterie. Ça là c'est le dernier problème, c'est de pouvoir alimenter ça en énergie. Ça là ça me semble insoluble.
d'arriver à alimenter ça en continu. Mais bon, après, c'est pas le but parce que les déambulations en festival, c'est prévu pour faire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure grand max, quoi. Parce que l'idée, c'est de simuler le fait de se balader dans un festival. Ouais, batterie externe, j'en ai une, mais je peux pas la brancher, c'est trop lourd. C'est encore le même problème en fait. Stabilisateur, c'est assez sensible, donc si tu branches trop de câbles, t'es embêté quoi. C'est assez impressionnant. Hein. Là, on se rend pas compte, mais on a déjà fait ouais, presque 20 minutes de chemin. Quelques entreprises là-bas derrière. Allez. Plein. Donc au niveau de l'image, ça va, ça saccade pas, c'est bien. On sent la stabilisation. Oh, il y a des libellules partout. Ah, je sais pas si vous allez les voir. Oh, c'est dingo, des libellules noires là. Ah bien sûr, elles y sont plus. Elles sont par là. Est-ce que je peux tomber à l'eau en direct? Non. On va essayer. Vous les voyez ou pas les libellules? Ma libellule. C'est fou d'en voir autant. Elles sont noires et bleues, elles sont trop belles. Tu peux aussi aller Cultura Rayon Jeux de Société pour simuler le festival. Bon, on n'est pas responsable de tes craquages. Hein. J'adore les libellules. C'est joli et c'est pas si courant d'en voir, moi, je trouve. J'ai hésité à aller à Cultura, mais c'est un magasin, tu vois. Je me vois pas rentrer dans le magasin avec le micro et tout. Bonjour, je fais un petit reportage. Vous inquiétez pas, hein, je fais que passer. Vous inquiétez pas. Déjà là, ça doit être assez lunaire. Hein. S'il y a des gens qui me regardent, c'est assez bizarre le stream IRL, hein, je pense. Hein. Si jamais tu fais plouf, ça sera là pour clipper. Hein. Ouais. Donc, si je fais plouf, je perds du matos quand même. Je vais éviter. Parce que là, entre le téléphone, le stabilisateur et le micro, il y a quand même un setup qui est déjà assez cher malgré tout. Des fois, on voit des poissons en été comme ça qui bougent pas trop. Mais j'en vois, tiens. Comme l'eau est à peu près claire. Est-ce qu'on va en voir là? J'en ai vu un. Des fois sous les ponts, il y a des carpes énormes qui sont là, stationnées. Et ça bouge plus. Elles sont en mode sieste, elles aussi. Ouh, il y a un serpent. Vous le voyez dans l'eau? What the fuck? Il y a un putain de serpent. Je bouge plus. Ah ouais, c'est dangereux la nature, hein, en vrai. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Je le vois encore. Hein. Je le vois encore louvoyer légèrement là-bas. Alors, deux options. Je vais peut-être passer par le haut. En vrai, il est sous le pont. Je crains rien là, non? Sympa le reportage animalier. Ouais, mais alors, tu vois, j'étais pas dans l'optique d'aller dire bonjour à un serpent aujourd'hui, quoi. Bon, on part du principe qu'il est dans l'eau, qu'il va pas remonter. Ah ah, tu crains rien. Ouais, tu crains rien, tu crains rien. S'il pointe le bout de son nez, si tu veux, je vais pas faire le malin quand même. Je le vois pas. Il était dans l'eau, en fait. Il était dans l'eau. Oula. Oula, ça saccade. Oula, ça saccade. Je clip. Oui, bah vas-y, clip. Chez vous aussi, ça saccade? Avouez que c'est pas commun quand même. Je me méfie parce qu'il était au bord là, comme ça, là, en fait. Je sais pas si j'ai une perte de réseau ou pas. C'est léger. Hein, moi, ça saccade fort quand même. Hop, on va éviter de filmer les gens qui mangent. J'ai déjà oublié comment clipper. Alt X. Alt X. Ah, le troisième pont me semble très 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 loin. Peut tenter, mais. Mais ça paraît loin. Non, ça, s'il n'y a pas de ralentissement de votre côté. Et les grillons, ça sent bon l'été. Ouais, là, ça fleure bon l'été ici quand même.
Bon, je ne suis jamais allé aussi loin de chez moi, sachez-le quand même. Pour te rassurer, tape fort du pied, les vibrations les font fuir. Alors tu savais comment on m'a toujours dit ça aussi, mais tu sais que sur un groupe qui marche justement, même avec les vibrations, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier qui se fait attaquer. Genre le premier effectivement il craint rien, mais c'est ceux de derrière qui craignent. Je crois. Je vais checker la batterie. 70% la batterie, on est ok. 70% en vrai, c'est pas mal. Sam dans le Seigneur des Anneaux. Frodon, je n'ai jamais été aussi loin de la comté. C'est vrai qu'à un moment donné, il dit ça. Et je vous jure, mon écran, il est tout saccadé. Bon, tant que c'est bon pour vous, c'est ok, hein, mais. Enfin, un peu stressé ce serpent-là, quand même, hein. Je sais pas, vous le voyez au loin le troisième pont là-bas? Je pense qu'en vrai, si on va jusque là-bas, il y a encore un bon 15 minutes de plus minimum. Si c'est pas plus. Ça donne envie d'aller se balader le long du canal. Bah, c'est sympa, mais on a rarement l'occasion de le faire. Les enfants, au bout d'un moment, tu vois. C'est pas leur action favorite quoi. Tu leur dis viens, on va se balader 1 heure et demie au bord du canal. Moi, F bof quoi. Sauf si la petite, parce qu'au bout, y a un super restaurant. Donc là, si tu mets le restaurant à la clé, pourquoi pas, mais. Non, t'inquiète, il s'en fiche de toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a autre chose à faire. Samikouane. Prends un chien. Ah, c'est d'autres contraintes encore après. Je sais pas, peut-être plus tard. Le jour où les enfants auront quitté le nid, peut-être qu'on aura l'envie d'avoir une présence en plus. Mais pour l'instant, c'est pas spécialement le besoin. Ça doit être top pour faire une balade en vélo ou à pied. Ouais, j'avoue. Voilà, les jours comme aujourd'hui, il n'y a personne. C'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Dadadam, bam, après, c'est au bout d'un moment, c'est répétitif, hein, comme paysage. Hein. Là, c'est. C'est un canal, des arbres et de l'eau tout du long. Hein. Ça va pas beaucoup changer. Hein. Il y a un avion. Il y a un gros avion dans le ciel. Je reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Ah, c'est moins saccadé. Ça y est. J'ai retrouvé de la fluidité de mon côté. Faut que je revienne vers Toulouse un jour, faire la cité de l'espace, le musée de l'aéronautique, aller voir le Saint-Siège du passe-temps. Dire que j'ai été pour une piste d'alternance à Blagnac sans prendre le temps de visiter la ville. Ben ouais, ben. C'est comme ça, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. C'est joli comme balade, mais c'est très linéaire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, je savais pas si ça allait bien marcher. Donc là, ça va, on a de la chance, tout marche bien, donc c'est agréable. On peut continuer, mais je me suis dit, si ça marche pas, je vais pas trop m'embêter à aller chercher non plus une ville éloignée, un truc comme ça. Parce qu'après, il y a des jolies villes hein, dans le coin. Cordes-sur-Ciel, tout ça, il y a des trucs sympathiques à visiter. Hein. Je trouve ça reposant ce genre de paysage. Donc. Hein. Manger un cassoulet à Castelnaudary, eh, vraiment un vrai cassoulet là, aujourd'hui par ce temps-là, c'est chaud. Hein. Là, je pense que je mangerai pas un cassoulet. Hein. D'ailleurs, c'est quand les dates du festival de Castelnaudary là, qu'on avait fait l'an dernier? Carcassonne et Castelnau qui sont en même temps. Quand j'étais petit, j'avais visité Carcassonne et Foix. Très très sympa Carcassonne.
fois, j'ai moins de souvenirs. Ils sont peut-être en vacances ou au bord de la piscine, même si j'ai pas vu la question de dame, ça c'était quoi? Viens chez moi, tu en auras envie. Il fait pas beau? Mais à Paris, il pleut, hein. J'ai vu là avec les JO, on voit bien qu'il pleut là chez vous par là-bas. Gros vent qui se lève ici. Ok. Alors j'ai un peu du mal à tourner comme je veux parce qu'il y a quand même le câble qui retient un peu le téléphone. Donc je fais ce que je peux au niveau du cadrage. J'étais étonné de voir personne sur le canal. Oui, moi aussi. Mais tant mieux. En vrai, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Poum, 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 pouloulou. Il fait beau ici, je vais sûrement mettre une heure ou deux photos, une ou deux photos, au bord de mer tout à l'heure. C'est chouette, merci hein, pour les photos. Ça fait vivre le Discord, c'est très cool. Hein. N'hésitez pas à partager hein, vos vacances, vos photos, etc. Bon là, je suis content parce qu'avec l'application, je vois le chat, ça marche comme il faut. Franchement, je suis vraiment hyper content de cette petite balade. On approche de la demi-heure. J'espère qu'on n'a pas trop la sensation que je respire comme un âne. Je me rends pas compte au niveau de la respiration ce que ça donne. Parce que mine de rien, je marchote et je sais pas marcher doucement. Lubie, elle me dit, mais tu vas vite quand tu déambules. Elle me dit, va plus doucement. Ouais, je sais pas faire. C'est comme le vélo, je sais pas me balader doucement en vélo. J'ai plein de choses à faire, zéro motivation. Bon, fais comme tu peux. C'est le week-end, hein. Même si je vais aller dans un coin, l'île longue avec une base militaire et Brest en face, il y a des endroits où les photos sont limitées et interdites. Ok. Non, c'est très bien, t'as la moumoute. Ouais, j'ai la, j'ai la grosse, la grosse truc de moumoute. Allez, on a un petit message de la batterie a été déchargée de 30% dans les 30 dernières minutes. Bah, c'est normal, hein. Ça va. Bon courage, commence par le plus simple, ça sera toujours ça te fait. Ouais, c'est ça. Faire le plus simple, en faire un ou deux, et puis si tu peux pas tout faire, tu peux pas tout faire. Hein. Oh. On va y arriver au pont, je pense, non, en vrai. On se fixe jusqu'au pont et au pont, je ferai demi-tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je prendrai pas le risque parce qu'on peut passer de l'autre côté. Mais là, c'est un chemin goudronné. Là-bas, c'est de l'herbe, et là-bas, je vais pas m'y risquer. Hein. Je vous le dis. Peu de chance que je m'y risque. Là-bas, on voit le pont qu'on a laissé. Je vais l'appeler le pont du serpent. Voilà, officiellement. Officiellement, ça sera le pont du serpent. C'est le retour des saccades. Là, il y a une belle maison bien entretenue. Hein. Waouh, là, elle est taillée. L'herbe, elle est tondue. Je vais peut-être aller voir si la personne ne veut pas venir chez moi. C'est quoi ce jeu de société? Ça a l'air naze. Il y a un truc vert partout. Je crois qu'on appelle ça de l'herbe. Il faut fuir. Ça va qu'il tourne ou pas? Je teste l'installation d'ambulation pour les festivals. Tu vois? Comme par exemple le TGS en fin d'année. Être capable de faire une petite déambulation avec un micro de qualité. En tout cas, je crois que le Meeple progresse sur la piste de scoring. Voilà, je progresse fort sur le chemin de scoring. Antoine de Maximi va te faire offrir un café. Je sais pas qui c'est Antoine de Maximi. Le Meeple vert, la meilleure couleur. Ah mais t'as l'intention de filmer au TGS? Bah ouais. Je vais filmer, peut-être interviewer des gens, etc. quoi. Bien sûr. Après le Meeple bleu et le rouge. Ah. Là, je vous avoue que je commence à prendre chaud quand même en vrai. J'ai pas pris une casquette, j'ai pas pris une gourde, rien à moi. La fleur au fusil. La fleur au fusil. C'est paisible, hein. Bon après, je viendrai pas là le matin très tôt ou le soir très tard quand même. Y a pas de lumière, quoi.
J'irai dormir chez vous, t'as jamais vu cette émission? Ah si, j'adore en plus, mais c'est son prénom, Antoine de Maximy, c'est ça? J'adore cette émission. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en vrai, le j'irai jouer chez vous pourrait bien marcher, hein. Dans le concept avec l'Armic Van, tu te déplaces, tu vas chez des gens et hop, bonjour. Je viens faire une partie du jeu de société chez vous. Ça sera assez incroyable, on l'a dit, hein, j'irai board gamer chez vous, c'est Erwan qui l'a dit hier ou avant-hier, je crois. Je pense que ça pourrait bien marcher. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, moi, ça me fait du bien, vous savez quoi? Ça me fait du bien. J'étais quand même tout seul chez moi, là. J'ai rangé, j'ai bossé un peu, j'ai tourné une vidéo. J'ai réinstallé le setup. Après, j'ai joué un peu, mais bon, je m'ennuie un peu. Sans eau, pas sans pot. Marre de rire. Non mais c'est vrai que je sais pas, c'est pas très prudent parce qu'il fait quand même très chaud. C'est un peu bête de partir comme ça sans casquette, sans eau. J'aurais dû prévoir le coup. Par contre, tu abuses, maintenant j'ai envie d'acheter Path of Civilization, c'est vrai? Ah, il faut pas forcément. Déjà pourquoi? Parce qu'il est dispo sur BGA, donc si c'est juste parce que t'as envie de l'essayer, bah essaye-le déjà. Et après, si vraiment il te plaît, bah n'oublie pas de passer par les liens Filet-Filibert, quoi. Voilà. J'ai trouvé qu'il était intéressant. Moi, il m'a rappelé Adara avec un truc en plus. Maintenant, j'attends de faire plusieurs parties pour valider mon choix définitivement. Mais il a un côté intéressant. J'espère que tu as Viewwards. Pour compter tes pas et avoir un peu de sous pour marcher. Ah non, j'ai pas ça. Désolé, je passe par les boutiques locales plutôt. Oui, non, mais t'as raison. Si vous avez des revendeurs locaux, bien évidemment. C'est très important de faire vivre les boutiques près de chez vous. Nous, les boutiques près de chez nous, celle de Montauban, on a fait le forcing à l'assaut. Tous les achats de l'assaut passent par la boutique. Donc, on achète déjà énormément local. Et nous, à titre perso, on achète très peu dans l'année. Donc, c'est vrai que parfois, on a le réflexe de passer par Philibert, quoi. J'en ai un qui va fermer fin d'année. C'est très compliqué. C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est triste, mais vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas comment une boutique, elle peut faire face. Amazon va s'y mettre très très fort, à mon avis, à vendre du jeu de société. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc soit il va falloir vivre avec des stocks plus petits et devenir très spécialisé et avoir une clientèle fidèle. Mais même avec ça, je pense que ça reste compliqué. Parce que derrière, c'est des loyers, quoi, c'est des charges en fait. Donc ouais. Face à la grande distribution. Alors après, la littérature est passée par là. Il y a toujours des librairies. Donc je pense qu'il y a la place, quoi. Mais ça va être dur, quoi. Ça va quand même être dur, ouais. Oh, le petit courant d'air là dans les sous-bois là, c'est faire enfin, à l'ombre des arbres, ça fait plaisir. Ça fait large plaisir. Petit papillon. Autant Amazon, j'achète pas mal tout ce qui est tech pour les livres, jeux, etc. Hop, petit vélo. Assez rare, hein. Lui il avance. Hein. Pour les livres, jeux, je préfère. Oui, mais voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. Sur Amazon, on commande des trucs, mais on n'a jamais commandé un jeu sur Amazon. Bon, mais voilà, on aura croisé deux personnes, quoi. Il y avait une voiture avec des gens qui mangeaient. Je les ai pas trop mis à l'écran. Et un cycliste. Propre. Par contre, 36 minutes, le retour va me mettre autant. Donc j'aurai fait mon heure de marche, je pense que ça sera pas mal. On verra si la batterie du téléphone tient jusque-là. Je pense que oui. On devrait arriver juste dans les derniers pourcents, à moins que ça fonde comme le réservoir d'une voiture. Peut-être accélérer encore un peu la marche au retour. J'achète des caisses, mais le reste en boutique. Bah oui, de toute façon les caisses, c'est très compliqué. Ce qu'on a fait par contre nous des fois, c'est faire livrer les caisses en boutique, si on a l'opportunité de le faire. En général, on fait ça.
Et ça, c'est le petit pont du village d'à côté. On y est arrivé hein, quand même. Hein. On a un peu marché quand même. Ça, je le connais, ce petit pont. Un petit trait bleu avec marqué 1000, alors je sais pas, c'est quoi? C'est tous les 1 km qui nous font ça? Je l'ai fait pour Kingdom Rush. Là, par contre, c'est triste. Hein. Là, tu vois des canettes. Tu te dis, je suis à 2, 3, 4 km d'une ville. Il y a quand même des canettes sur le bas-côté, quoi. C'est dommage. Par contre, à 80 euros, il part pas sur Vinted. T'as déjà fait une belle distance. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ben, le village d'à côté, il est à 4-5 bornes. Et là, on est en ligne droite, on a dû en faire 2-3, je pense. Hein. 2-3. Le premier pont, il me semble qu'il est déjà à 1000 mètres. Donc, on doit être entre, ouais, entre 2,5 et 3,5, je pense, en termes de kilomètres. C'est pas cher pour un all-in. Ouais, mais bon, après, si les gens, tu vois, ils ont pas fait l'effort d'aller le chercher en KS, c'est que peut-être ça les intéresse pas. Moi, j'avais vu Kingdom Rush, ça m'avait pas plus plu que ça. J'avais regardé. Je vais essayer juste de monter sur le. Au niveau du pont, faire une prise de vue en haut là. Et on va faire demi-tour au niveau du pont. Parce que j'ai dit une demi-heure, mais on est à 40 minutes en fait. Le dingo. Ça fait les bras aussi, hein. Je vous le dis, ça fait les bras. Et ça continue vraiment longtemps, hein. Donc là, c'est vrai que si vous voulez vous faire un joli truc en vélo rando, là, je sais pas comment ça s'appelle, la vélo rando. Tu prends ton vélo, une petite chariote avec de quoi camper et tu fais plusieurs jours de vélo. Il te manque un sac à dos. Ouais, mais je sais pas trop comment je pourrais quand même tenir le stabilisateur sans que je l'ai dans les mains. Il faudrait un truc qui vienne avec une ceinture, une espèce de perche qui viendrait se mettre en appui pour soulager un petit peu. Ah, un autre cycliste. Allez. Heureusement que tu as l'homme des arbres, ouais. Clairement. Bonjour. Ça triche, c'est en électrique, ça triche. J'ai pas dit trop fort, il avait l'air musclé quand même. Non, à l'ombre des arbres, ça va. Les passages au soleil, c'est compliqué. C'est vrai que si on était que full soleil, ça serait complexe. À l'ombre des arbres, c'est ok. J'ai pas vu l'oubli, dommage. J'aurais bien aimé qu'elle voie la qualité du truc. Ah, il y a un train qui va passer. Si on est assez rapide, on peut aller se jeter sous la voie. C'est pas le but, mais. Est-ce qu'on peut aller choper le train? Je suis pas sûr. Ça triche, mais pas trop. Ouais, voilà, c'est un peu. Ah, je l'entends, on le verra pas. Il va passer juste à côté. La voie ferrée est juste là en fait. Je passe derrière les arbres là-bas. Dommage. Comme s'ils n'avaient pas de soucis à la SNCF. Mais que d'animation sur le trajet, il a tout prévu, c'est incroyable. Quel talent. Voilà, Canals, 500 mètres. Donc je pense qu'on a fait un petit peu. On a marché. Hein. On a marché. Alors ce pont, il n'est pas hyper pratique. Parce qu'il est déjà assez limité au niveau des voies. J'attends l'arrivée de l'oubli en parachute maintenant. Ouais, c'est vrai. Lol. Est-ce qu'on peut passer dessous, mais on peut passer dessus. Et c'est relativement. Hop. Oui, ça, y a pas la place pour se croiser. Je vais me mettre sur le trottoir quand même.
Hop. Oui, ça continue encore très très longtemps. Je pense même pas qu'on voie le prochain pont. Moi j'ai le vertige. Là on voit plus de pont. Donc on retiendra les 3 points, c'est 40 minutes. Oh, il y a un coureur en plus qui arrive. Il y a un coureur qui arrive. Et là le pont de tout à l'heure, il est tout là-bas. Il est tout là-bas. Juste voir si je peux. En ULM, l'oubli en ULM. Juste vous montrer la voie ferrée vite fait. Et après on fait demi-tour. On pouvait passer de l'autre côté, mais bon, c'est pas aménagé. Enfin, c'est juste de l'herbe coupée. Je vais pas trop prendre de risques. Hop. Voilà, vous avez la voie ferrée là-bas. Là où le train vient de passer. Et ça continue encore et encore. Ouais, exactement. Ça... Oh punaise, hein, voilà. On a perdu la stabilisation. Reviens. Ok. Ouh là là. Ouh là là. Vous avez le tournis? Est-ce qu'il s'est éteint ou... Aïe aïe aïe. J'ai tout perdu. Je ne vois plus le chat. Alors. Hop. Bon, je ne vous vois plus. Je vois plus de réponse dans le chat. C'est dommage, ça marchait bien jusque-là. Cameron, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Je vois plus le chat. C'est terrible. Ça y est, je vous ai retrouvé. De nouveau un train. Et toi, tu nous entends? On te reçoit 5 sur 5, ok. Non, mais en fait, j'avais perdu le chat, et en fait on peut swiper l'écran pour retrouver le chat. En fait, c'est comme j'ai perdu la stabilisation d'un coup, alors je sais pas pourquoi. Peut-être la batterie commence à être faible au niveau du stab. Je l'ai jamais testé aussi longtemps, donc forcément. Bon. Allez, je vais mettre des grandes enjambées, on va essayer de revenir en moins que 45 minutes. Je sais pas où on en est au niveau de la batterie. 43%, ouais. Ouais, c'est pas dit que je puisse vous garder jusqu'à la fin, jusqu'au retour à la voiture, à mon avis. Ça va être compliqué. On a notre coureur, notre jogger qui s'est arrêté, le pauvre. C'est dur, hein, de courir là par ces températures. Déjà marcher, c'est fatigant, alors courir. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite balade à ma compagnie, le long du canal. Pas trop de grandes enjambées, cela va fatiguer le stabilisateur. Ah ouais. Ça va le fatiguer plus, tu penses? Moi, je pense quand même que le téléphone va arriver à court avant le stab, mais à voir. On va voir. Déjà, je me dis, si j'arrive à faire un live déambulation de 45 minutes en festival comme ça sera très bien, hein. Avec cette même qualité, ça sera pas mal. Même si le prochain grand rendez-vous, c'est pas pour tout de suite, parce que bon, Vichy, je pense qu'on sera pas trop embêté. Et après, ce sera Octogone, quoi. Le stab n'arrive pas complètement à compenser les mouvements de marche. Ça bouge un peu de droite à gauche. Par contre, sur les mouvements amples, c'est nickel. Ouais, quand ça tourne. Après aussi, je suis en.
En 1080p, donc c'est 30 FPS maximum, je crois. Je peux pas être en 60 FPS sur le téléphone, donc il y aura forcément une saccade quand on tourne, par exemple. Bon, je vais éviter de tourner parce que je crois que c'est ça aussi qui tire un peu sur le câble. Faudra voir maintenant comment ça gère avec tous les sons parasites. Ouais. Ouais. Mais au moins ce coup-ci, vous m'entendez et c'est audible, quoi. Et je vous vois, et donc moi je valide le fait que je lance un live, vous m'entendez et je vous vois. Et l'image est à peu près stabilisée. Donc là, on a coché beaucoup de cases quand même. Maintenant, il faudra voir effectivement avec l'interaction des gens et le bruit parasite en festival. Ça sera l'étape d'après. Ah, il a eu peur, il est reparti en courant. Ou alors, il suit le live et il se dit, faut pas qu'il me rattrape. Est-ce que vous pensez qu'il suit le live? Peut-être pas. C'est quelle heure là du coup? J'ai pas l'heure moi. Mais ça doit pas être loin d'être 2h, 2h15, non? Quelque chose comme ça. Parce que je vois des gens sortir. Effectivement, ils ont peut-être fini la sieste. Se mettre sur le côté. Tranquillement. Bonjour. Et coucou Wixlot, comment ça va? Ouh là là. Ouh là là. H30, ouais, c'est ça. Dis-lui de s'abonner à Insta. Il manque plus grand monde sur Insta, mais bon, les derniers là, ils sont durs à aller avoir. Hein. Cette retransmission fait-elle partie des JO? Je sais pas. Comment ça va, Wixlot? Tu vas bien? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Là, je suis en solitaire. Hein. Lubli, Tata Lubli, elle est en vacances avec les enfants en Bretagne. Et je fais du test de matériel IRL. Voilà. Bien, et toi, Tontigno, ça va très bien. Je fais ma petite marche du jour là, ça me fait du bien. On n'a pas encore vu le porteur de la flamme en tenue d'Assassin's Creed sur le live. Mais lol. Non, ça va, y a rien, y a pas d'animation chez nous, c'est plutôt calme. Ah ouais, Tata profite des bienfaits de la Bretagne, voilà, ouais, de la pluie, du vent, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, ils avaient fini le camping, donc ils retournaient chez ma belle-sœur. Donc ils rangeaient les affaires et ils rentraient du côté de Nantes là. Ils vont redescendre de la Bretagne. Et il fait beau là, hein. Oui, c'est vrai. C'est suffisamment rare pour que tu le notes, tu as raison. Il faut le dire. Là, il fait beau aujourd'hui. Les grillons. Ouh là là, ça fait de la marche, de la course fractionnée, ça a l'air dur pour notre jogger en face. Ça a l'air très très dur. Ça tient pas le rythme. C'est encore pire de s'arrêter comme ça. C'est encore pire. Quand vous courez, là, il faut arriver à garder le plus petit rythme possible qui vous permet de récupérer votre second souffle. Et après, c'est bon quoi. Vous pouvez courir des heures, mais. Si on s'arrête, c'est tellement dur de repartir. Aïe aïe aïe. Le stab, il veut plus trop faire des mouvements. J'ai l'impression qu'au début, il arrive bien à compenser le câble. Mais que là, dès que ça force un peu, ça lâche. Donc j'essaie de garder la route droite. Hein. Je suis désolé, le paysage est un peu monotone. Qu'on l'a vu à l'aller quoi. Je crois qu'il fait demi-tour. Après, je pourrais peut-être l'interviewer à la manière de Nelson Montfort. Oui, bonjour et bravo pour cette course incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelques mots à la caméra, s'il vous plaît. Troisième train. Et oui, alors que ça redémarre en petite foulée. Il est incroyable, il ne lâche rien. Jusqu'au bout, il va se battre. C'est ça qu'on veut.
avec la musique de The Eyes of the Tiger dans les oreilles. À tous les coups, il y a un casque. Oui. Ils ont tous des oreillettes. Hein. Ceux qui courent, ceux qui, même en vélo. C'est rude hein, quand même, parce que du coup, t'entends pas grand-chose autour de toi, ça t'isole vachement. Hein. Bon, moi, j'ai un écran et un gros micro, mais j'entends ce qui se passe autour de moi. Pour mieux écouter ton live, je pense. Je pense qu'il a eu très peur. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cet homme avec une caméra et un micro? Ça, vous vous rendez pas compte, mais visuellement, j'ai l'air quand même assez lunaire. C'est un short avec un t-shirt Ariel, un stabilisateur, un téléphone, un micro et je parle tout seul. Je pense qu'il y a certaines personnes qui me mettraient dans un asile psychiatrique assez rapidement, quand même. Là, on est entre Nelson et le père Fouras, ouais, j'avoue. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Nelson, puis sa voix a changé, la vieille un peu. Ils se sont dit, si je fais une apparition surprise en train de courir, c'est pas bête, hein. T'as bien le badge des JO quand même, hein, pour éviter toute amende. J'aurais dû me faire, j'ai des tours de cou à la maison, j'aurais pu faire un faux badge. J'aurais dû y penser, j'y ai pas pensé. On arrive près du pont au serpent. Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a quand même croisé un serpent. À l'aller. Qui louvoyait dans l'eau, tranquillement. Avec la moumoute, oui, parce que le micro. Après, ça fait professionnel, tu vois. En vrai, ils peuvent se dire le mec est en train de faire un reportage pour France 3 sur le canal du Midi, c'est plausible. Hein. Après, je me fasse faire des t-shirts France 3, quoi. Des faux t-shirts. Je fais FR3, mais je mets deux R. Ou deux F, quoi. Clip dispo sur le Discord. Sur le serpent? Je me suis quand même arrêté, j'avoue. Hein. J'ai mis bien 2-3 minutes à me dire bon, j'y vais pas. Vous faites les malins, mais peut-être qu'il aurait fait demi-tour. Hein. Je suis quand même passé. J'hésite à passer par-dessus le pont juste pour vous montrer le dessus du pont. Et non pas pour éviter le bas, hein, mais juste pour vous montrer l'autre point de vue, quoi. Lui, il a mis un panneau privé d'Angers. C'est la maison bien entretenue tout à l'heure. Ça fait peur, non? En vrai. Pourquoi danger? Il y a un chien, il y a des mines, il y a quoi? Un boa constrictor en liberté, c'est pas commun dans le sud, non? C'était pas un boa constrictor. Je sais même pas ce que c'était. Tu l'as reconnu, Dams? Le serpent, qu'est-ce que c'était? J'ai couleuvre, j'imagine. C'est ça le plus commun? Ou non, c'est vipère, c'est dangereux, donc ça doit être la couleuvre qui est le plus commune. Ou l'aspic. Je ne sais pas. Il y a des serpents en liberté dans le jardin. Mais en même temps, moi, chaque année, j'en vois dans mon jardin des serpents. Cette année, j'ai eu une biche. Ou un chevreuil, d'ailleurs. Cara qui m'a dit, je crois que c'est plutôt un chevreuil. Donc, c'est vraiment la jungle chez nous. Hein. Voilà, l'écran devient un petit peu sombre. Alors pourquoi, comment, je sais pas. Peut-être le contre-jour avec le soleil. Il cherche le soleil, bah ouais, je comprends. Mode marseillais on, le serpent, il était grand au moins comme ça. Hein. Ça rappelle dans Kaamelott, là, quand Perceval et Caradoc racontent leurs histoires, qu'il faut consigner leurs aventures. Et je sais pas contre quoi ils se battent au début, si c'est un dragon ou une hydre, et ça finit que c'est une espèce de petit serpent dans l'eau. Les vipères vont pas dans l'eau normalement, alors que les couleuvres, oui. Ah ben voilà, là elle était dans l'eau donc c'était sûrement une couleuvre. 6 mètres le serpent. Ben en vrai, c'est pas tellement la taille, hein, encore une fois, mais. À partir du moment où il y a un animal voilà, non domestique qui fait bien quand même. 40 cm, 50 cm de long, potentiellement qui peut te mordre, tu fais attention quoi. Tu fais un peu attention. Si jamais tu fais un bivouac, attention aux lapins. Les fameux lapins. Quoi? Il y a des lapins dans la forêt? Ah bah oui. Par contre, là, un contre-jour, c'est compliqué au niveau de la lumière et du rétro-éclairage. Il y a une BD Kaamelott qui raconte cette quête, c'est génial. Bah, les BD sont chouettes, hein, moi tu me les avais prêtées à une époque.
Je sais pas s'il faut regarder les JO hein, pour le moment. Deux Français sur le top gold silver en cyclisme. Moi, je regarde que le judo essentiellement. C'est pour ça que je vais essayer de rentrer avant 4h. Pour aller mater les podiums français, s'il y en a. Salut Mighty Games, comment ça va? Ah là, je vois plus rien, je suis à contre-jour total. Je sais pas si c'est mis en économie d'énergie. Ah. 26%, mes amis, je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'à la voiture. Je pense qu'aux alentours des 10%, je serai obligé de vous dire au revoir pour pas vous couper sauvagement. Mais on approche les 1 heure de live. Je calculerai combien de kilomètres j'ai fait, mais je pense que c'est pas mal. Mais je pense qu'à mon avis, je vais être obligé de mettre fin à cette session de manière un petit peu brute. Quoi de neuf, Mighty Games? Qu'on ne te voit pas souvent sur le live, comment ça va? Je suis encore KO, mais les vacances sont là et elles tombent à pic. Bon, mais profites-en alors pour te reposer au max. J'étais en séjour avec les ados. Ça fatigue, ça. Ça fatigue. Ça fait des jolis souvenirs, mais ça fatigue. Mission défi, arriver avant la fin de la batterie. Non, parce qu'en fait, on est au pont numéro 2, je crois. Et à mon avis, il y a bien 10 minutes de plus, 10-15 avant le pont fatidique, le tout premier, ou le départ, je sais plus. À mon avis, c'est compliqué. Je vais checker la batterie de temps en temps, mais. Bon, après, c'est pas mal, hein, 1 heure de live déjà, c'est plutôt cool. Et je pense pas que je puisse alimenter en même temps, parce que de toute façon, le micro. Et la prise d'alimentation sont à l'opposé. Donc il y en a forcément un des deux qui est caché par la pince du stabilisateur. Ouais, c'est ça, des jolis souvenirs, mais semaine intense. Suspense. C'est le monsieur à vélo de tout à l'heure. Il a fait tomber le t-shirt, le monsieur. C'était bien toi sur la planche à moteur sur un lac. Ah, des nouvelles de Ljubljana. La route du retour vers Nantes se passe très bien. Bon, c'est déjà bien. Ah, tu as pu voir ma performance sur le e-foil. Mais nice. Comment t'es au courant de ça, Adams? C'était dans la story. Ah ouais. Moi, je suis trop de choses, trop de comptes. Et du coup, je loupe des choses. C'est le problème. Je ne l'ai pas vue, cette story. À moins qu'elle soit apparue aujourd'hui. J'arrivais pas à tenir debout, hein, débutant que je suis. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais avoir les bras en feu ce soir. En plus, il faut que je passe la tondeuse aussi après. Finalement, je vais pas m'ennuyer. Le pont est là, ça fait demi-tour aussi avec le vélo. Alors, c'est le meilleur truc que j'ai pu faire sur l'eau de toute ma vie. Vraiment, je vous conseille. Bon, c'est un peu cher, hein, 60 euros les 30 minutes. Ah oui. Un peu excessif, effectivement. Pouloulou. Et là, au soleil, on cuit. Je sais pas quelle température il fait, mais. C'est compliqué.
C'est aussi pour ça que de pouvoir le faire en étant payé, ben c'est plutôt cool. Je comprends. Je comprends parfaitement. Allez, on est au pont du Serpent, mais il me semble qu'il y a encore un autre pont. Et encore, je pense qu'il y a encore 20 minutes là. De toute façon, on est reparti à 45, donc on a mis au moins 40 minutes hein, à l'aller. Même si j'essaie d'accélérer, je ferai pas des miracles. Hein. Allez, le fameux pont du Serpent. Je vais essayer d'être sur mes gardes quand même. Hey, nous, de nouveau des saccades ici. C'est rigolo, on dirait qu'il y a une légère perte de réseau ici. En plus, les contre-jours, je n'y vois plus rien du tout. Là. Ouais, il y a l'autre pont. Alors merci, et là je suis en vacances donc je vais pouvoir réactiver mon compte hein, les semaines d'été, c'est vraiment compliqué. Bah oui, pour les réseaux c'est complexe. Ouais. Si c'est pas ton activité à 100%. Ok. Le prochain pont n'est pas loin. Il nous reste combien de... Ah, ça c'était le chat. 21%. Allez. C'est ce qu'ils appellent passer sous un pont. Exactement. Pour arriver jusqu'au point de départ. Va-t-il le faire? Va-t-il le faire? Incroyable. Sur ce live Forrest Gump, sponsorisé par Forrest Gump. Alors qu'au loin, le bruit d'une sirène retentit. C'est un assassin qui s'enfuit. Qui a la ref? Bon Armic, avec toutes tes aventures en festival, ça devrait pas te fatiguer cette petite balade. Bah, il fait chaud, ça fait quand même 1 heure et 5 minutes que je marche. Et c'est lourd en fait, hein. Stabilisateur, plus micro, plus la pince, plus le téléphone. Ça doit bien faire, je sais pas, moi, 1 kg, 2 kg à bout de bras. Ouais, peut-être pas deux. Je dirais 1 kg, à vue de nez. Ah, la tension est à son comble. Ah, j'ai un bon rythme, j'avance. Ça a pas l'air. Faudrait que j'ai un plugin avec ma vitesse. Mais là, si je connecte genre le GPS, c'est fini. Je vais avoir 20 minutes d'autonomie, pas plus. C'est rigolo parce que ceux qui font du vélo sont plutôt des personnes âgées, donc ils me regardent avec avec des yeux. Bon, là, j'ai pas trop pu voir. Il avait des lunettes, mais je sens bien la surprise et la stupeur. Hein. Les boomers. Est-ce que c'est pas nous les boomers là maintenant? Non? C'est quoi la vraie définition des boomers? Pam 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 pam. 1 km à pied. Ça use, ça use. Il faut clipper ça, hein, des personnes qui regardent avec des yeux. Oui, ouais, peut-être l'expression était mal choisie une fois de plus. Je suis maladroit avec mes mots. Hein. J'arrive pas à faire Alt plus X. Normalement, ça t'ouvre l'interface pour faire un clip. Mais tu peux le faire même avec la rediffusion. Hein. Faut juste noter l'heure à laquelle c'est fait. Moins de 20% sur votre batterie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les boomers sont ceux qui sont nés après la guerre. Ah bah ça me fait quand même pas mal, non? On est de plus en plus. Bon allez, je vais pas tarder, hein. Faut que j'aille voir Deadpool. Vu que j'étais en séjour, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. J'avais trop hâte. J'avoue, j'irais bien me faire un cinéma, mais bon. Après, Lubli, elle va me dire, ah bon, tu pars au cinéma tout seul. Super.
alors qu'on n'y va jamais ensemble. Non, je vais attendre que la famille elle rentre, on ira se faire un ciné tous ensemble. Peut-être pour aller voir Vice-Versa. Allez, je vois la péniche, on n'est pas loin d'arriver. Et on a bien carburé sur le chemin. Loin. Donc là, on doit avoir les 5 minutes, 5-10 minutes grand max pour arriver. Au niveau de la voiture, on est de nouveau dans le village. Incroyable. Il reste 18%, ça va le faire. Allez, ça va le faire. Large. Large, large, large. Bah, hésite pas, hein, Mighty Game, ça passe sur le Discord et à nous dire hein, si le film était bien. Ça peut le faire, ouais, ça va le faire. Ça peut le faire. J'ai de moins en moins de stabilisation. Peut-être c'est le câble, il est coincé. On aurait dû faire des prédictions. Faut vraiment que je te file un rôle de modo, petit caribou, si vraiment, si ça te va. Je te passerai bien modératrice, comme ça. Il y a plein de choses comme ça que tu pourrais faire. T'es quand même là, très très souvent. Faudra que tu me dises. Parce que là, je peux faire aucun travail de modération. D'ailleurs, c'est très cool qu'on n'ait pas de petits copains qui viennent nous faire la promotion de viewers, parce que je pourrais pas les bannir là. Là, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Dans les prochains rendez-vous, il faut qu'on se programme. Donc, une nuit du jeu en août, là. Il faut qu'on fasse ça. Et une soirée feu de camp, là. En mode guitare aussi. Guitare, chanson et compagnie. Bam 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 bam. Badabadam, bam bam. Pour donner un coup de main, pourquoi pas? Un coup de main. Allez, on arrive, on est plus très très loin. On l'aura fait. Pour aider les copains. Mais on parle pas comme ça quand même. Y a pas l'oubli sur le chat en vocal. On parle pas comme ça. 1h10 de marche. T'as faut donner de sa personne hein, sur Twitch, hein, je vous le dis. Hein. C'est du sport. Hein. C'est vraiment du sport. Hein. Allez, encore toute la partie ombragée, une fois arrivé au soleil. Normalement, on ne devrait pas être trop 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 loin. Tout cas, ça m'aura fait du bien. Avec un G même, t'as du bien. Je vais pouvoir réécouter ça un petit peu après, j'irai regarder la rediffusion, voir ce que ça donne, si je suis satisfait ou pas. Hop, cycliste de plus. C'est un peu comme une épreuve de cyclisme, en direct quoi. Vous en avez de la chance sur cette chaîne. Hein. Petite photo de... Photo de quoi hein? Les légumes du jardin. Nice. T'as quoi au jardin là? Des tomates hein? Des courgettes hein? Ça fait du bien de marcher, le plus dur c'est de se motiver. Ouais j'avoue, le plus dur ça a été de se motiver, mais vous savez le truc un peu sympa c'est le message que je mets sur le Discord, ça m'oblige. Ah, si je dis bah hey, j'y vais, bah, je peux pas dire bon non j'y vais pas.
Le plus dur, c'est de taper ce message. Une fois qu'il est tapé, t'es obligé d'y aller. Légumes du jardin aussi petits que mon chien. Bah, ton chien, il est énorme. En vrai, si t'as des tomates de la taille de ton chien, on peut s'inquiéter quand même. En vrai de vrai. Ah, là, le soleil s'est un peu calmé, ça fait du bien. Oui, j'avoue. Oui, j'avoue. On en est où de la batterie? 11%. Aïe, aïe, aïe. 11%. Je vois mon point de départ hein, quand même, je le vois. Les courges plus grandes que mon avant-bras. Ouais, il faut pas trop les laisser grossir. Hein. C'est moins bon après quand ça vieillit trop. Hein. Évitez de trop les laisser longtemps. Encore un cycliste. Camper les deux mains sur le guidon, ça avance. Là, ça avançait. Moins de 10%, c'est tout juste. Hein. Mais c'est bien, ça permet de voir la batterie au taquet. Quatrième train. 1h15 de live. Nickel, tu pourras manger jusqu'à l'année prochaine. Ça se conserve bien si tu les laisses sécher les pédoncules avant de les ramasser. Mardi, c'était pas assez grand. Bon, ça a pris tout ça en si peu de temps. Incroyable. Allez, on y est presque. Les derniers efforts. Oui, les courgettes sont meilleures petites. Et ouais. Ouais. À redresser. Ça pèse un peu quand même malgré tout le câble. La batterie du stabilisateur ça tient. Nickel, test concluant et GG pour cette belle marche. Ouais, 1h14. 1h14, je suis vraiment content. J'aimerais arriver au bout mais 6%. Prochain live demain matin. Oui. Prochain live demain matin, écoutez. Allez, je m'arrête là parce que c'est quasiment au bout et que j'aimerais vous dire au revoir proprement. On l'a fait. Bim. Je suis à même pas 2 minutes là d'arriver, hein, même pas. On est quasiment là. Merci d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné pour cette belle marche. Et puis je vous dis à demain matin, le test a été très concluant. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain matin. Allez, ciao ciao!